Donc vous avez décidé de regarder une petite domination. Alors, une domination sur stadium avec une arme que vous m'avez aussi conseillée, c'est la hogue. Donc moi je lui ai mis un silencieux parce que sur une map aussi petite que stadium et que bah, sur une map aussi petite que stadium, quand vous voulez contourner, c'est vrai que le silencieux est vraiment, moi je dirais, indispensable. Quand vous contournez, que vous êtes en train de tirer sans silencieux et que les ennemis voient un point rouge apparaître derrière vous, je peux vous garantir qu'ils se retournent assez rapidement. Donc vraiment le silencieux, quand vous êtes du genre à contourner, c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Donc j'ai décidé de jouer avec la hogue parce que vous me l'avez conseillé. Et bah, je trouve que c'est une arme, ça je l'avais déjà dit, qui est vraiment très précise. Moi je la trouve vraiment précise, efficace aussi. Mais seul petit bémol, j'ai envie de dire, c'est que lorsque vous lui mettez un silencieux, elle perd beaucoup, beaucoup de ses dégâts. Et là, observez ce qui se passe. Je joue l'objectif. Alors j'ai reçu pas mal de commentaires de personnes qui me disent, ouais, monsieur le V12, c'est écœurant, tu joues jamais l'objectif. Toi, tu fais que du spawn kill, franchement, c'est pas fair play. Alors, je vais vous expliquer une chose. C'est que déjà, premièrement, vous me verrez jamais jouer dans un match à objectif sans mon équipe. Ou sinon, c'est que c'est vraiment très 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 rare. Donc dans ces cas-là, quand je suis dans mon équipe, on a chacun nos rôles. Vraiment, on a chacun nos rôles. Mon rôle à moi, ce n'est pas de jouer l'objectif. Mon rôle à moi, c'est de bloquer les adversaires au niveau de leur respawn. Donc, de ce fait-là, voilà, il n'y a pas chacun son rôle. Dans notre équipe, on a tous un rôle différent. Je peux vous garantir que même si je ne joue pas l'objectif à proprement dit, même si on ne me voit pas poser de bombes ou de désamorcer de bombes, je peux vous garantir, et ça je pense que la plupart de mes partenaires peuvent en témoigner. À de très nombreux moments, j'ai sauvé mon équipe grâce justement à mon spawn kill. J'ai sauvé mon équipe grâce à l'obtention de mes killstreaks. Donc vraiment, le joueur d'objectif, il est chargé, lui, de poser les bombes, mais il ne peut rien faire sans ses partenaires. Donc c'est bien beau de vouloir poser obligatoirement l'objectif, mais moi, j'ai eu une discussion avec Clems Browning récemment. On parlait justement du fait que je recevais pas mal de messages qui me disaient que bah, le spawn kill et ma façon de jouer, c'est-à-dire sans me préoccuper de l'objectif, c'était un peu donner une mauvaise image des modes à objectif. Et il m'a clairement stipulé que si à des moments j'étais pas là, et si il y a eu des parties justement où on jouait et on était assez malmené par des équipes qui jouaient vraiment très très bien, il y a eu des moments où je lui permettais vraiment de poser et de désamorcer de la plus facile des manières. Pourquoi? Parce que je faisais mon travail. Il me l'a même dit de manière assez ironique. Il m'a dit, ouais, qu'il aurait même pu s'amuser à danser autour de la bombe tellement il était vraiment tranquille et sans opposition. Donc vraiment, le joueur d'objectif et le slayer sont intimement liés comme le support player. Vraiment, nous, on est une équipe assez liée et c'est vrai qu'on joue tous stratégiques les uns avec les autres. C'est pour ça ça peut donner l'impression que l'on ne joue pas du tout l'objectif, mais pourtant, à chacun notre niveau, on joue l'objectif. Alors, maintenant, ce qui va être intéressant de voir, c'est que je viens de ramasser un AKU. Alors, je ne vais pas rentrer une nouvelle fois dans le débat, vous savez tous ce que je pense de l'AKU, mais vous allez voir que je vais avoir aucune difficulté à faire une grosse série. Là, j'essaie vraiment prudemment de m'approcher de A pour aller le capturer. Là, j'attendais désespérément qu'un de mes partenaires, que ce soit Yumin ou Birdo, s'approche de moi pour qu'on puisse justement avancer sur A. Là, vous avez vu qu'en dessous, j'ai une flèche bleue qui arrive pour me soutenir. Malheureusement, il se fait éliminer. Et ensuite, il y a Yumin qui passe juste à gauche. Je crois que c'est Yumin ou Birdo qui passe juste à gauche. Et là, voilà. Maintenant que je sais qu'il va m'aider un peu à nettoyer
on va pouvoir justement capturer. Donc là, voilà, ça c'est du travail d'équipe. Ça c'est du travail d'équipe. Je ramasse avant justement une. Comment dire? Je ramasse d'abord une arme en cas de difficulté et que je puisse justement passer sur cette deuxième arme. Là, je m'amuse à faire un peu de chiffres. Pourquoi? Alors là, c'est tout simple. Pourquoi je continue à faire du frag et pas forcément d'aller capturer A? Mais en fait, comme je comptais sur mes partenaires pour aller capturer B et C, du coup, ça laissait qu'une seule possibilité pour les adversaires de respawn. Et du coup, vous avez vu qu'ils réapparaissaient à chaque fois juste à côté de moi. Donc on voit tout de suite la grosse série que je suis en train de faire. C'est vraiment pas difficile du tout. On voit que j'ai vraiment aucune difficulté pour enchaîner les frags. Donc c'est pas pour remettre encore une fois de l'huile sur le feu. Mais là, vous voyez bien comment j'étais en train de jouer au début avec mon ogre silencieuse. Là, on voit bien qu'avec un Dakahu, tout est plus facile. Je sais pas, franchement. Je veux pas rentrer, je veux pas non plus critiquer ouvertement les personnes qui jouent avec la caillou, mais on voit bien que c'est pas une arme difficile d'utilisation, on voit bien que c'est une arme qui est vraiment très puissante. Donc c'est vrai, moi vraiment j'encourage au maximum les joueurs à tenter d'appréhender, excusez-moi, des armes, on va dire, un peu plus complexes à utiliser. Même si j'essaie moi d'utiliser aussi des armes qui me permettent d'être un minimum compétitif, c'est vrai que j'utilise beaucoup la Galil. La Galil, je vais le dire clairement, ce n'est pas une arme difficile à utiliser. C'est une arme assez facile justement d'utilisation. Mais je trouve qu'elle n'a pas les mêmes dégâts qu'un Akayu. Regardez. Regardez à quelle distance j'ai réussi justement à éliminer l'adversaire qui était allongé. Bon, je finis quand même par me faire éliminer, mais vous avez vu combien de frags j'ai pu faire sans me faire tuer quand j'ai eu l'AKU dans les mains. Donc ça prouve bien une chose, c'est que lorsque vous avez un certain niveau, attention, je ne prétends pas être un joueur exceptionnel, mais quand vous avez un minimum de niveau et que dans vos mains, bah, vous avez un AKU, bah, ça peut vraiment vous permettre de faire de très très grosses parties. Mais je vais formuler un bémol. Vous faites de très très grosses parties, mais selon moi, et là voilà, ça reste selon ma propre opinion. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Chacun a le droit d'utiliser les armes qu'il veut. Attention, je dis pas, il faut pas utiliser la KU. Mais selon moi, je pense que si vous voulez avoir plus de mérite de faire de bonnes parties, abandonnez un peu la KU. Si vous voulez des fois jouer avec, quand vous êtes un peu en difficulté, voilà, ça je pense que c'est un bon compromis. Vous êtes un joueur, un assez bon joueur, mais pendant un moment vous avez une petite baisse de régime, pourquoi pas jouer avec l'arme qui vous permet justement d'être le plus compétitif possible et sortir la KU de temps en temps. Non, de temps en temps, ressortir la KU lorsque vous êtes un peu en difficulté, que vous avez du mal à fraguer tout ça, et puis une fois que vous avez récupéré votre niveau, parce que soit vous n'avez pas joué depuis longtemps ou parce que les joueurs en face sont vraiment très très forts, bah après vous pouvez essayer de jouer avec des armes un peu plus compliquées. Mais voilà, ça c'est mon point de vue. Certains ne vont le partager, d'autres vont me dire monsieur le V12, va te faire foutre avec ton anti-AKU. Je peux comprendre, hein. On n'est pas tous obligés de partager mon point de vue. Je pense que dans mon entourage, que ce soit au niveau de ma team ou des personnes que je côtoie dans la vie réelle, on pense plus ou moins tous la même chose. Je pense que dans la communauté de Call of Duty, et en particulier Black Ops, on pense que, disons, un grand nombre d'entre nous pensent que l'AKU est abusé. Comme l'UMP45 a eu la réputation d'être aussi abusé dans Modern Warfare 2, et après on peut remonter loin. Dans tous les Call of Duty, il y a toujours eu une arme qui était un peu plus abusée que les autres. Dans le 5, c'était la MP40, et dans le 4, c'était la P90. Donc voilà, vous avez vu que c'était une assez bonne partie, et cette fois j'ai joué beaucoup plus l'objectif que d'habitude. Tout simplement parce qu'on n'était pas une équipe entière. Il y avait simplement trois de mes partenaires, il en manquait deux autres.
Donc c'est pour ça que j'ai joué un peu plus l'objectif que d'habitude. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous jouez en équipe, chacun a son rôle. Et même le Slayer, même s'il n'est pas à côté de la bombe, il a une influence énorme justement sur cette bombe. Parce qu'il va permettre vraiment à ses partenaires de poser le plus facilement du monde la bombe. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette partie vous a fait plaisir. Et je vous invite à reprendre une nouvelle partie. Choisissez une nouvelle partie à visionner. C'est moi qui régale.